Audio Jungle. Je m'appelle Myriam Abdelali, je suis manager dans la fonction finance à Procter. Cela fait 4 ans et demi que je suis dans la compagnie. Après un diplôme obtenu en France dans une école d'ingénieurs et un master à Subdeco et une petite expérience en France, j'ai décidé de rentrer au Maroc malgré beaucoup d'appréhension. C'est jamais facile de prendre une décision quand on a quitté à 17-18 ans et qu'on revient à 23-24 ans. Mais la décision a été prise très rapidement. Mon objectif était très clair. Je recherchais une compagnie multinationale qui soit dynamique avec tous les challenges qu'on peut y trouver, mais qui valorise aussi ses employés et qui investit dans leur formation et leur apprentissage. Mon choix de Procter s'est fait presque naturellement. Vous entendrez tout le monde dire, que ce soit des Procteriens, des ex-Procteriens, nos collaborateurs et même nos compétiteurs, que Procter est une très grande école. Donc je suis fière de travailler dans une compagnie de leaders où dès le premier jour, on nous assigne une responsabilité. Pour illustrer, moi j'ai commencé à l'usine comme process engineer et dès le début, je devais gérer une trentaine de personnes, j'avais une opération à faire tourner. Tout est tellement bien structuré, bien organisé à Procter, que ce soit au niveau des systèmes, que ce soit au niveau des personnes, des managers, des mentors, qui font en sorte de nous accompagner depuis le premier jour en intègre et tout au long de notre carrière. Procter est une compagnie qui offre une multitude de choix de carrière et mon cas en est le parfait exemple. Donc après mon expérience, enfin un an à l'usine, j'ai été choisie pour faire partie d'une équipe multifonctionnelle pour travailler sur un grand projet de renouvellement de go-to-market au niveau du Maroc. Et ensuite, à la suite de ce projet-là, j'ai choisi d'intégrer le département de finance qui n'est pas du tout dans ma formation de base. Dans toutes les multinationales, je suis sûre que vous allez trouver le même type de challenge au niveau business. Mais soyez sûr qu'à Procter, celle-ci se distingue par sa culture, ses principes et ses valeurs qui constituent les fondamentaux de ses employés et de son business.